Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Nouveau Kaiser to Commander, on est parti sur Raid, ça tombe très bien. Parfait, tout tombe très bien. Une partie qui n'est pas commencée, qui est sur Raid en domination, que demander de plus. C'est vraiment magnifique, allez on est parti. Alors pour aujourd'hui, j'ai vu qu'on m'avait proposé le Cap 40. C'est vrai que j'ai pas joué au Cap 40 et ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Cap 40. Donc on va tester un petit peu ça, je vais continuer un petit peu le M27. Oui bien sûr, je vais continuer un petit peu le M27 aussi parce que je suis pas très loin d'avoir la crosse si je me souviens bien. Voilà, je suis à une partie d'avoir la crosse donc je sais pas. Je pense que je vais faire Cap 40 sur Raid quand même parce que ça va être un petit peu plus pratique, je sais pas, enfin... je me tâte, je pense que je vais quand même tester le Cap 40, je vais rester là-dessus. Et puis bah, on est parti, hein, niveau 44, il reste une grosse dizaine de niveaux avant d'être... avant de passer le prestige, avant d'être niveau 55, donc on est parti. C'est pas celle-là que je voulais, c'est la 6. Allez. Donc j'ai gardé les séries nucléaires, hein. Je préfère garder les séries nucléaires en fait parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un gameplay qui bouge un peu plus et qui est plus dynamique en gunplay plutôt qu'avoir un gameplay full loadstar ou des choses comme ça. Ou même, même les tourelles etc, c'est bien hein, mais bon voilà. Non, je suis un peu d'humeur à utiliser l'Orbital Vsat, donc on va faire comme ça, hein. On va pas trop se prendre la tête non plus. On va aller aider notre petit allié là-bas. Il s'est fait tuer, allez on y croit. Hop, nickel. J'en ai vu un passer. Eh, hey, je t'ai sauvé la vie, mec. Hein. Je t'ai sauvé la vie. Hein, toi là, toi, oui, toi. Allez. Oh, nice. Counter UAV, UAV. Allez, on a tout là. Ça spawn en bas un petit peu. Là. Et je crois que c'était un ennemi celui-là. Ouais, il est un petit peu loin, lui. Hein. Un petit peu loin, on va passer par là. Le truc, c'est qu'avec le Cap 40, il faut absolument... Il faut absolument recharger ultra vite. Ah, je suis pas mort. Vissat. Ah, je vais pas aller là, non. Ah, merci, il allait bien, bravo. On va régénérer un petit peu par là. Hein. Hop, voilà. Je suis plus là. Hop là, le petit kill qui va bien, nickel. Non, je prends des packs pillards parce que là, c'est vrai qu'avec le Cap 40, il y a vraiment besoin des packs pillards. C'est vraiment pas, c'est pas du luxe du tout les packs pillards avec le Cap 40. Donc on va... Oh putain, c'est un sniper. J'aime pas les snipers. Il m'a pas vu. Oula. Ouh. Ouh. Double kill. Et double kill avec le Cap 40, c'est pas non plus... Lui aussi il a un Cap 40. Alors, on va se planquer un petit peu là. J'ai bientôt mon Vsat, je crois là. Je sais pas trop quoi faire là. Ah, je vais rush par là. Hop. Il est en haut. Oh, il est pas mort. Je crois vraiment que je l'avais tué là. Là je croyais vraiment l'avoir tué mais bon. Heureusement il a mis vraiment très longtemps à se retourner. Ça c'est plutôt bien. Attends, il y a du sniper un peu partout là. Je sens qu'il y a des snipers au fond, tu vois. Quand tu vois les flèches rouges qui sont au fond là-bas et qui bougent pas trop, tu vois, c'est. Comment dire, on va peut-être pas y aller tout de suite. Malheureusement, il a eu le temps de prendre B. Ouh, je me suis un petit peu fait griller de l'autre côté, hein. La vache. On va faire le tour, hein. On va pas prendre trop de risques. On va faire le tour bien gentiment. Il me reste encore 3 chargeurs, j'ai de quoi faire. J'ai pas envie d'avancer, je sais pas quoi faire là. Non, on est brouillé, putain, pas maintenant. C'était pas vraiment le bon moment. Oh, 15-0. Ah, c'est bon, c'est quand même une belle série. C'était quand même une très belle série. C'est dommage, on a été brouillé au mauvais moment. Franchement, je pense que j'ai hésité à avancer en fait. Parce que tu vois, quand t'es brouillé comme ça, que tu t'as un Vsat, t'as pas forcément envie d'avancer, mais. Ah, je me suis dit, allez, on va quand même avancer. On va prendre le risque. Je peux finir de capturer. Il croit que je suis passé de l'autre côté, tu vois. Et là, je le brain. Boum. Merci l'allié. Merci. Ça, j'ai une team qui est chaude, la team, là. Là, elle est chaude. Elle me sauve bien la vie comme il faut et tout. Putain, j'ai plus qu'un chargeur. J'ai une captée. Ok. Il y en a encore deux. Là. Putain, il est derrière moi, en fait. Il y en a un là-bas. Il y en a un.
File-moi ça. Ils sont un peu partout, les gars, là. C'est bon, l'allié là? Je sais pas si... Je crois que l'allié l'a eu. Ouais, on va dire que l'allié l'a eu. Alright. Là, on est pas mal, là. Ouh, ouh, ouh. 47 secondes, j'ai le temps de mettre le VSAT. C'est 45 secondes, le VSAT, pour information. Allez, il y en a un en haut. Il y a un deuxième en haut. Hop. Eh, on est bien, là. Alors, on va passer en force, là. Ouh, hop, là. Passage en force. Et on va essayer de faire le petit kill. J'aime bien comme ça, les pieds. Quand on est tous les deux au cap 40 en train de se tirer dessus au jugé en espérant que ce soit lui, que ce soit toi le premier qui fasse le kill et qui touche. Ah, t'as galéré, mec, hein. Eh, t'as vraiment galéré, là. Oh non. J'avais le dernier. Ah, je suis trop déçu, j'avais vraiment le dernier, là. Un petit peu déçu. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que mon micro est un petit peu fort, mais je suis pas convaincu. Je regarde ça vite fait. Non, ça va, il est bon. Ok, allez. On était bien parti là, pour une deuxième, 29-1. Ça veut dire que je suis à 14-0 là. Eh, hey, on est pas mal, hein. Pas mal du tout. Je sais pas ce que je vais avoir, je vais balancer ça tout de suite, je sais pas ce que je vais avoir, je crois que c'est un drone. On verra bien tout à l'heure, je passe par là. Là, le mec s'est suicidé à la voiture. Normal. Ouais, c'est bien de passer par là, parce que t'es couvert par la voiture. J'en ai vu un rentrer là-bas, mais... Il est mort ou il est pas mort, celui d'en haut, là? Ok, il est mort. Bon, par contre, ça spawn derrière, là, c'est pas cool. Allez, go, 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 go. C'est un tout petit peu chiant, cette distance-là, le cap 41. C'est un tout petit peu difficile, quand même. Ah, on devrait pas capturer, franchement, c'est pas bon de capturer ça. C'est pas bon parce que t'as envie de faire un peu durer la partie sur ces moments-là et tu sais que si tu captures là, ça va pas vraiment faire durer. Ouais, du people là, ça va être chaud. Wouhou! Oh, c'est pas beau ça? Oh! Il est mort. Il s'est pris un vieux drone de chasse dans les dents, celui-là. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Un petit counter UAV. On va tout mettre. Vas-y, on peut passer derrière là. Putain, j'ai deux balles. Ah, j'ai deux balles. J'aime pas être comme ça. Regarde pas derrière toi, toi. Regarde pas derrière toi. Oh oui, merci l'allié. Bravo. Bravissimo. Eh, merci l'allié. x2. Eh, c'est cool quand les gens ils donnent des kills comme ça, moi j'adore. Allez. Je suis à combien d'ailleurs? 37. C'est quoi? C'est 46 que je l'ai. 37, encore 9 kills. Ah ouais, ça fait, c'est chaud, 9 kills, c'est long, hein. Je vois les autres qui sont au fond là-bas. 8. 7. Je le mets, hein, parce que bon, 7 kills. 7. 6. Oh, de toute façon, je voyais le mec à droite sur A, donc j'étais, je me lève et je suis là parce que sinon de toute façon, je pouvais pas me retourner. Donc c'était clair que je pouvais pas faire autre chose là. C'est, je pouvais regarder à droite, mais je pense qu'il m'aurait rush avant l'autre. Clairement, il m'aurait rush bien avant. Oh, oh l'enfoiré, j'ai pas eu le temps de régène. Il m'a trop fait peur cette grenade. Tu la vois passer comme ça à côté là. Il l'a pas tué. Ah, il l'a pas tué. Genre, le mec il arrive derrière l'ennemi, je pensais qu'il allait carrément le tuer en fait, mais... Oh, j'ai tiré tout à côté. Pas cool. Ah putain, j'avais un putain de score et... Comme d'habitude, tu vois, genre je fais une putain de début de partie et puis je gâche tout à la fin. Mais c'est bon, on est cool, hein. On est bien là. On est vache pour bien. Je fais une putain de game. Failli faire le nucléaire. Pas dire deux fois parce que la première était quand même... La première était quand même très lointaine, mais... Ah! Pourquoi, je sais pas pourquoi je vais vers lui. J'aurais pu juste continuer tout droit, je suis sûr j'aurais réussi à faire quelque chose, mais j'ai été vers lui et... Oh, j'avais le kill. Bah, mauvaise idée. Bref, combien j'ai fait là? 44-5, oh, ça va. C'est bien ça. Tac. Non, le cap 40, franchement, c'est vraiment une arme
Enfin, comment dire, il a toujours l'inconvénient de pas avoir beaucoup de balles dans le chargeur, ce qui fait que t'es obligé de prendre pillard, t'es obligé de recharger à chaque kill. Et c'est chaud de faire des doubles kills, on compte même pas les triples, qui sont quasiment impossibles à moins que les mecs soient vraiment alignés. Mais ça fait quand même que l'arme est un petit peu... fait pas mal de dégâts, tu vois. Donc c'est vraiment... elle a pas mal de dégâts, pas mal de cadence, du coup c'est quand même relativement facile. C'est un peu comme... comment dire, comme les mains Iron sur Advanced Warfare. C'est le truc pour faire du 1v1, mais quand on a deux en face, ça devient tendu, tu vois. Bah là, c'est pareil. Allez, on va essayer de monter la petite crosse. Je pense que je vais aller jusqu'à la crosse avec le M27, et puis je repasserai sur le... parce que je vais sûrement le faire en moins d'une partie, donc je repasserai sur le Cap 40 juste après. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de mourir. Allez. Ouais, je sais pas, là c'est l'hiver qui arrive, tu sens que t'as la gorge qui commence à être un peu prise et tout. c'est un petit peu chiant. En plus, comme vous pouvez le constater, il fait super nuit déjà. Là, je viens de rentrer chez moi, il est genre 18h50 là. Il fait nuit, normal. il fait nuit et genre c'est ce week-end je crois le changement d'heure en plus. Le changement d'heure c'est ce week-end, donc c'est bien parce qu'on gagne une heure de sommeil, ça c'est yes. Enfin une heure de sommeil ou une heure d'autre chose, hein, mais... ça c'est vraiment bien, mais du coup il va faire nuit à 18h, 17h, c'est horrible. Bon, allez, M27, let's go. Donc Meltdown, c'est une bonne map, c'est pas spécialement une bonne map pour le M27, surtout sans cross, mais bon après, juste le temps d'avoir la cross. Par contre j'aimerais bien pas être tout seul, je suis 1v2 là pour le moment. Allez, on se connecte les gens, on y va. Ah, ils sont pas beaucoup plus hein, chez eux. Je pense qu'il y en a un qui est en train de capturer B à mon avis parce que... c'est... ah oh, peut-être... ah oh oh oh. T'es où toi? Ah, il est arrivé derrière l'enfoiré, bien joué. Il a rush derrière. Petit enfoiré va. C'est trop chiant parce que tu crois que tu peux viser mais en fait tu peux pas viser vu que t'as pas de cross. C'est horrible. J'y arrive vraiment pas. Par contre, ils ont du C4 en face, donc ça va être un peu tendu. Je vais y aller un petit peu à la bourre, on va voir ce que je peux faire. Wep. Bon, le petit pack pillard, on est reparti. On a B, donc c'est cool. Alright. Ouais, personne. Il y en a un pourtant, mais... hop, il y en a un. Je confirme, il y a quelqu'un. Il est en train de monter là. Oh, il y en avait en bas. C'est celui du bas qui m'a tué. Ah, c'est celui du bas qui m'a tué. Ah, il était bloqué, je le voyais pas avec le viseur de mon arme en fait. Vu que j'étais en train de tirer sur celui du dessus et... forcément, il aurait fini par me fumer. C'est obvious, mon cher. Vraiment. Vraiment, il est dans le coin en train d'attendre de son côté. Non. Il avance accroupi, le mec. C'est pas cool, ça. J'aurais juste débloqué la crosse sur ce truc pour dégager cette arme. J'en peux plus. J'en peux plus de cette arme. Je sais pas où aller, en fait. Ok, il y a un autre ennemi, là. Je sais pas trop où ils sont. Putain, ils ont un counter UAV, les enfoirés. Hein. Comment il sait que je suis là, lui? Ils ont peut-être un drone avec le counter drone. Ça paraîtrait un petit peu logique, tu vois. Du coup, ils sont en fait. J'ai l'impression de me faire tirer dessus, je sais pas du tout d'où. Il est au fond là-bas. Ouais, bon. On va peut-être aller prendre A, ça va faire tourner un peu le spawn, parce que là, on sait pas trop ce qui se passe. Pas moi! Moi je reviens. Non, les missiles Storm faut pas non plus, hein, pas abuser. Hein. Petit contre-drone, c'est parti, allez vite. Ouh, ouais, c'est bon. Ok, parce que là je sais pas trop par où ça va arriver vu qu'on a les 3 points. Ça peut arriver un petit peu de n'importe où. Je m'entraîne à faire les doubles changements d'armes pour annuler le rechargement parce que dans Black Ops 3, vu qu'on peut recharger en courant. J'ai pas envie de garder l'habitude de Black Ops 2, tu vois, on peut pas justement sur Black Ops 3 arrêter de recharger en courant. Je sais plus ce que j'ai dit en fait. Tu sais, 2 secondes après, le mec il a oublié ce qu'il vient de dire. Du coup, je fais des doubles changements d'armes pour m'y habituer parce que j'ai tendance en général à fail un petit peu mes doubles changements d'armes, tu vois. Et du coup, on va un petit peu essayer de.
de remédier à ce problème. Il y en a partout, il y en a devant, il y en a derrière. Allez, go go. Ah, j'ai plus de balles, déjà. Ok, UAV on standby. Ah, ça va, là, la partie passe mieux. Tout de suite, dès qu'on a le Vsat, de toute façon, ça passe beaucoup mieux. Hein, je dois dire que... un petit peu plus facile à jouer. Genre, ils ont réussi à prendre... ah, les petits enfoirés, va. Counter UAV awaiting orders. Par contre, si j'arrive pas à avancer, c'est moi qui vais me faire buter, mais... all flags secured. Il reste 45 secondes, c'est le moment de balancer ça. Pile poil, hein. À chaque fois, vous remarquez, tout est calculé. Tout est calculé, je balance le Vsat à 45 secondes de la fin à chaque fois, c'est parfait. C'est long quand même, 45 secondes, hein. Je sais pas si ça a diminué sur Black Ops 3, je me souviens plus. C'est vrai que pour un Vsat, c'est quand même relativement long. Merci l'allié, parce que là l'ennemi... oh, je viens d'avoir la crosse. L'ennemi m'a fait flinch, je dois vous avouer que ça m'a un petit peu fait peur sur le coup, tu vois. Bon, par contre, ils sont plus que deux, donc c'est un peu dommage, ça. C'est 15 secondes, ouais. Ah, oh, il va se faire tuer, là. Oh, il l'a eu, t'es sérieux? Allume-moi. Allume-moi, villa. Non, il est pas là. Oh putain, il est monté dans le mec. Allez, 3, 2, 1. Tout le monde le veut, tu sais. On était 4 sur le même mec, le pauvre. Il est tombé, il a dû tomber genre instantanément, le mec. Allez. Deuxième manche, on est bien là, on est à combien? On est 18-3, je sais pas combien je suis mort, je crois que j'étais à 5. 5, 18, ça doit être à 15, à mon avis je suis à 15. Le problème c'est qu'il y a deux mecs en face, donc c'est un petit peu chaud parce que... j'aurais bien aimé qu'ils soient au moins 4. 4 ça passe, mais là faire 15 kills avec deux mecs en face, ça va être un petit peu tendu quand même. Hein. On va essayer, mais je promets rien. Du coup je sais pas changer de classe, je suis trop bien avec cette classe là, elle est pas mal. Je m'y habitue petit à petit en fait à avoir la crosse, ça me permet de viser en fait plus souvent. Oh cool, ils sont 4. Ça me permet de viser plus souvent, mais c'est pas forcément une... enfin, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas en fait. On va se prendre un mec sur le côté là. Ah mon kill. Ouais, j'ai fait de la merde aussi. Je suis resté à le regarder pendant au moins 5 minutes alors que j'aurais pu lui tirer dessus. Easy. Mais non, je me suis dit, oh, si je le regardais, tiens, ce serait bien. Il avance pas lui? Ah mais il est mort. Eh, Timmy! Non, le tue pas. Putain, merde. J'ai pas envie de cap, mais ils sont 3 à cap, donc... autant prendre les points, je veux dire, y a pas vraiment de raison de ne pas prendre les points. C'est A ou c'est B qu'on perd là? Non, ils sont tous sur A, d'accord. Ouais, je fais n'importe quoi. Oh. À cette distance là, utiliser le M27 pour essayer de faire un kill. Je pense que j'avais n'importe quelle arme en face, je pouvais rien faire. Ah oh. M'as tué avec quoi là? C'était un SCAR? Je crois que c'était un sniper qui m'avait tué là. Je me suis fait tuer tellement instantanément en fait, enfin j'ai vu aucun hit marker quoi, il m'a juste tué quoi. Ça avait été un snipe, j'aurais dit ouais bon ok, normal quoi, j'ai tiré complètement à côté du mec, ça me paraissait assez logique qu'il me tue, mais... je crois que sur le coup, le fait que ce soit pas un snipe, ça m'a un petit peu déstabilisé là. Ah, désolé mec, hein, mais bon, je vous laisse pas faire votre duel de couteau, je sais pas quoi là. Heureusement que j'ai tué les bons là. Là j'ai visé tous sauf les snipers, c'était très bien. Bon, par contre, il y en avait un qui était bien en train de camper derrière la voiture, donc ça va. Waouh, j'étais quand même bien derrière la voiture là, moi aussi. Hein. Mais c'est pas grave. Et de me foutre une balle dans la tête à travers le toit. Ouais, ça passe, on va dire. Hein. On va dire que... ça passe, mais j'ai du mal à croire quand même, mais bon, allez. Et bientôt, vive la crosse. Vive la crosse, vive la crosse, ça va faire plaisir, ça. Du coup, je vais être obligé de continuer à jouer M27, tu vois. Parce que ça serait quand même bête d'arrêter de jouer M27 maintenant que je viens de débloquer la crosse, ça a aucun sens. Donc, je suis obligé de continuer. C'est bête. Allez, viens là, toi, je sais que t'es là. Oh, bah oui, mais faut pas redépasser. Hein. Si tu redépasses, c'est pas la bonne idée du tout. Alright. Il y en a d'autres? Qui n'en veut? C'est bon.
Ah, il y en avait un devant, là. Là, je vois la tête, la petite tête là qui dépasse, là, elle était pas mal. Elle était vraiment pas mal. Allez, 27-6, c'était pas un... La deuxième manche, c'est vrai que ça a été un petit peu, il se passe rien, mais bon. Écoutez, hein. Il y a des parties comme ça. Conne enfin, rank CSGO, pourquoi rank... Ah oui, d'accord, CSGO, son nom de clan, j'avais pas vu. All right. Allez, troisième, on va prendre la crosse, et puis ça dépend. On va voir comment ça va se passer, je vais mettre la crosse. On va voir si ça se passe bien. Si tout se passe bien, je vais rester sur le M27. Et si j'ai du mal, je repasserai un petit peu sur le Cap 40. Comme ça va faire un petit peu des deux. Alors, tac. Où es-tu, M27? Cross et Cap 40. Je dois avoir des accessoires, d'ailleurs. Axon et Clip, c'est pas mal, ouais. On va enlever Tactical Mask. On va mettre la petite Betty. La petite Betty. Oui, oui, oui. Allez, alors quelle map on va avoir cette fois? Déjà on n'aura pas Aftermath, ça c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'il n'y ait pas ni drone, ni Nuketown. Et après, c'est bon, tout le reste je m'en fous. Une petite Turbine, ça serait bien, ça fait longtemps que je n'ai pas joué Turbine. Ça fait super longtemps, en plus avec un M27 c'est pas trop mal, puisqu'il est super précis, donc en général ça passe plutôt bien. Allez. 2, 1, 0. Je sais même pas si je suis synchro en plus. Drone, et voilà. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Je savais qu'il fallait pas que j'en parle, bordel. C'était évident. Plus t'en parles. Et voilà. Non mais tu vois, et c'est le karma. C'est le karma. Plus t'en parles, plus ça se passe. Non, 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 non. J'y crois pas du tout. Stand-off. Voilà. Ça, c'est bien. C'est commencé, je m'en fous. C'est stand-off. Oh, ça va. Elle est pas commencée, donc ça va. Oh, ça va. Oh là là. Oh, what? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi ce lag? Oh my god. Je sais pas si c'était le serveur ou si c'était moi ou si c'était lui. Je pense pas que c'était moi par contre. Ah, je l'ai pas eu. Ah, il est pas mort. Ah, il y en a un autre. Hé hey, les mecs, faut arrêter là. Oh, je suis tout seul les gars là. On va stop tout de suite hein. Moi je vous dis d'arrêter. C'est bon quoi. Oh putain, il y en a derrière. Ouais, je peux pas. Les mecs ils sont en train de me camper sur mon point. Enfin de me camper, de me rusher sur mon point. Excusez-moi, je me suis trompé de mot, c'est ma faute. Allez. Oh, merci pour le kill capture, c'est cool, c'est gentil. Merci à toi. Comment ça, win dominated? Ouh, ça passe. Alors là, je suis dans une position très... très mauvaise, on peut dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Putain, je l'ai eu, hein. The fuck? J'ai réussi à l'avoir, j'y crois même pas. Oh. Lui aussi, j'y crois même pas. Oh, 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 c'était chaud. Oh, les mecs, je les ai sur les dernières balles, tu vois. Oh, quand c'est comme ça, là. Il est en train de vouloir le cut ou quoi? Ah non, d'accord, il va... Oh, putain. Je l'ai vu décaler à droite, lui. Je fais non, 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 non. Ah, bien là, toi. Un petit peu de cul, quand même, là, sur le coup, mais bon. On va pas se plaindre, commencer à se plaindre d'avoir du cul, maintenant. Attends, il est où, là? Ils sont en train de spawn sur A, du coup. Okay, il est mort, lui. Comment on va faire, là? Comment va-t-on faire? Je vais prendre des packs pillards déjà. Je vais essayer d'aller un petit peu. Ouais, ils sont sur Sein, hein, là-bas. Tac. Tac. Eh, pas mal, hein. Franchement, je m'en sors, là. Ah, il l'a eu, en plus. Nice. Balance le petit Vissat. Oh, putain, il respawn, là. Allez, cours, 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 cours. C'est le moment. Désolé, j'avais plus de balles. Je suis vraiment désolé. Là, j'y pouvais rien. Plus de balles, peut pas faire grand chose. Hein. Hop, viens là que je prenne ça. Je vais prendre le pack pillard après. Hop, tac, le petit pack pillard. Bon, ça en sort bien avec un petit M27 comme ça là. Je vais prendre son pack pillard. Lui, s'il est encore là. On va prendre son arme. On sait jamais. Des fois que j'en ai besoin, ça peut toujours être utile. Bon, du coup, j'ai plus de couteau. C'est un peu dommage parce que le couteau, c'est quand même utile des fois. Tu vois, quand t'as plus de munitions, ça passe plutôt bien. Un petit coup de couteau comme ça. Mais bon, pas bien grave, on va faire 100. Chou. Ah, il est où lui? Ok, on perd A. Oh, ça spawn là. Ça spawn vraiment là en plus. Oh la vache.
Oh putain, la vache, je l'ai pas vu aussi longtemps sur mon écran, moi. Oh là là. Oh là là, c'était un peu tendu, ça, comme kill. Putain, j'étais trop bien parti, en plus, je suis trop déçu. Oh merde, je fais un peu de la merde, là. Putain, je suis trop déçu, quoi. Oh yeah. Double kill. Ah, je suis vraiment déçu du truc de tout à l'heure, là. J'étais bien parti, en plus, hein. Je sais pas en combien j'étais, mais franchement, je pense que j'étais vachement bien parti. Vive le Vsat. Putain, j'aurais jamais pensé à me... hop, merci pour le petit kill. J'aurais jamais pensé à regarder une deuxième fois là si j'avais pas eu le Vsat. C'est vrai qu'ils ont spawn assez... Enfin, ils ont spawn à deux, puis il y en avait un autre après qui a respawn. Enfin, le même qui a respawn au même endroit, tu vois. Donc ça, en général, tu t'y attends pas quand le mec il respawn genre 3 mètres devant toi, t'es... pourquoi tu respawn là, mec? C'est pas possible. C'est-à-dire que je suis juste là, donc... Mais bon, heureusement, c'est pour ça que le Vsat existe, tu vois. En fait, tout a un contre dans ce jeu, c'est-à-dire que même les spawns pourris, ils ont un contre, c'est l'Orbital Vsat. Eh ouais, c'est ça en fait, putain, j'avais rien compris en fait tout ce temps. Oh là là, j'avais absolument rien compris. Il m'a fait peur lui. Non, je voulais pas... Putain, je voulais pas faire ça. Bon, de toute façon, il n'y a plus personne en face, mais c'est... Genre, en fait, je voulais... Je sais plus ce que je voulais faire. Genre, je voulais... Je sais pas, je voulais recharger, je crois, puis j'ai appuyé sur la touche juste au-dessus. Ouais, ça devait être ça, parce que j'ai voulu appuyer sur R et j'ai appuyé sur le 4 pour balancer la série, mais... Non, en fait, c'est pas une super bonne idée. Non, c'est pas grave. Allez, 31-4, putain de bonne partie encore, là. Et avec Sam 27, je fais des bonnes games, hein, n'empêche. Je fais des putains de bonnes games. On s'en sort plutôt bien. Allez, deuxième manche. Oh, c'est vrai qu'il y a plus grand monde en face, hein, malheureusement. On n'y peut pas grand-chose, hein. Plus qu'une personne en face. Tant pis. Tant pis. Donc j'avais tout prévu sauf de lancer l'Orbital Vsat à 10 secondes avant la fin de la manche, mais il y a personne en face. Ah putain, il a déjà spawn lui. Putain, c'est un rapide le mec, hein. Il est à peine arrivé dans la partie, il a spawn, tac tac, c'est bon. Oh putain, mais c'était un ennemi derrière moi en fait, je viens de capter. Piti. Oh bah non. Hey, putain, il a pris le snipe l'enfoiré, je voulais prendre le snipe. Eh, comment je l'ai... Eh, là, c'était tout prévu. La prévision de Vindelia. Bon, elle était pas très difficile à faire, celle-là, mais... Quand même. J'applaudis ma propre... Eh. Putain, mon kill. Ah bah non, je voulais le tuer. Je fais un hitmarker. En fait, je sais même pas sur quoi j'ai tiré quand j'ai fait l'hitmarker. Parce que j'ai tellement snap vite que même moi j'ai pas vu. Absolument pas où j'ai tiré. Hop, tac. Les textures sont un petit peu moches, hein, quand même. Hein. On voit qu'il commence à dater le jeu. Allez, 165-47 avec un 32-4. Let's go. Tac. Bon, on va faire une petite dernière au cap 40, ça vous dit? Je pense qu'on va faire une petite dernière au cap 40. Comme ça, ça va un petit peu équilibrer les choses. Ah. Je suis désolé si je me frotte beaucoup les mains, c'est que j'ai un petit peu froid en fait. J'ai pas mis le chauffage de la journée, ça commence à faire un peu froid là. Allez, next. Je crois que j'ai quitté le lobby, je vais essayer d'en rejoindre un autre, j'ai pas forcément envie d'attendre là. Je sais pas combien de temps pour le rejoignage des ans. La fois plus rentrer. Allez, let's go. Slums, ça peut passer, Slums. Je pense que Slums, ça passe bien à mon avis. À mon avis, ça passe même très très bien. Et je pense que je vais mettre... On va passer un petit peu à l'IUM, là. Histoire de... Mais avec le cap 40, Slums, c'est pas mal. Le seul problème de Slums, en fait, c'est que... Souvent, quand t'arrives dans le spawn ennemi, t'as une super grande ligne droite. Et vu que t'as une super grosse ligne droite, c'est un petit peu chaud, tu vois. Avec le cap 40, c'est toujours... Les longues distances, c'est cool, mais c'est pas cool, en fait. Donc, on va essayer quand même de voir. Faut peut-être tourner un petit peu, genre dans le garage, dans les trucs comme ça. Faut essayer de tourner un peu. De toute façon, vu que j'essaye maintenant de plus trop aller dans le spawn, même si c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'en domination, t'as le drapeau devant toi, là, t'es, il dit, viens à moi, viens me capturer. Et là, t'es, bah, je peux faire, je vais capturer, j'arrive, bon, d'accord, allez, je vais te capturer. Et puis là, t'as trois mecs qui te spawnent dessus, t'es bon, ok. En fait, non, ça marche pas. Mais bon, allez. Let's go. Ouais, en plus, j'ai chargeur grande cap, là. Ça fait plaisir, là. 5 balles de plus. Allez. 4, 3, 2, 1, go.
C'est parti, hein, je peux capturer A, ils vont tous aller capturer A, je vais faire le tour. J'essaie d'arriver derrière B en fait, ça, c'est, je pense que ça c'est le putain de bon plan. Si t'arrives à faire ça. Oh l'enfoiré. Oh le putain d'enfoiré. Il était bien placé le mec, il était vachement bien placé. Là franchement tu vois, j'avais eu le temps de recharger, je pense que j'arrivais à buter celui-là, j'arrivais derrière les mecs qui étaient en train d'essayer éventuellement de capturer B. Ouh, il y a du pompe. Il y a du pompe, c'est tendu. J'ai essayé d'aller capturer B avec mes copains. Oh, et franchement, je lui ai mis 3 headshots là. Ah là, j'étais en plein sur sa tête. À mon avis, il devait manquer une balle pour le tuer parce que mon allié, il l'a eu mais quasiment instantanément après. Je suis un petit peu déçu du coup. Bon, j'ai quand même niqué 3 chargeurs pour tuer un mec au final. Je sais pas si c'était rentable, mais... Ouais, bon là... Oh non, bon non, Paul, C4, les mecs, arrêtez quoi. Sérieux, les mecs, ils sont en team de 3, là, et puis ils sont en train de balancer des C4. Non, moi, je suis pas d'accord. Et vous allez perdre la game, de toute façon, moi, je vous le dis tout de suite. Personne ne capturera mon point B. Quand je dis personne, c'est personne. Vous n'avez aucune chance contre moi. Oh, c'est un faible, non. Le mec, le timing, quoi. Le timing parfait. Le timing parfait. Le mec, il débarque au moment où j'arrive. Pile poil au bon moment. T'inquiète. Oh. Ah. Ah. Je suis pas mort. Je me casse. Ah, je sais pas pour me casser. Eh. J'ai réussi à pas mourir. Énorme. 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 Énorme blague. Ah. Putain, il m'a fait peur lui. Toi aussi tu m'as fait peur. Moi je sais pas comment je l'ai headshot. Chut. Attends, il y en a un à l'intérieur là. Oh non. Oh là j'y étais. Franchement. Oh là je l'avais. Je l'avais presque. Presque. Le mot clé. Je l'avais presque. Ah c'est dommage parce que j'étais bien parti hein. Franchement j'étais bien parti là. J'étais vachement bien parti. Oh putain. Ouais, il a vachement bien joué quand même parce que le réflexe couteau en se retournant, je l'aurais pas eu. Mais je pensais l'avoir tué en fait au cap 40, c'est pour ça. Je pensais carrément l'avoir tué, du coup je me suis dit bon, je vais me barrer et puis c'est bon quoi. Mais en fait, il était pas mort du tout le mec. Il était pas mort du tout. Du coup, forcément ça aide pas, tu vois. Tu crois que tu l'as tué, t'es arrivé et ah bah non, il est pas mort. Ça va me spawn dans le cul, tu vois. J'avais dit que ça allait me spawn dans le cul, hein. Oup. Ah non. Eh, le C4, non. Oh putain, ils sont deux là-bas à tirer en l'air. Le petit headshot qui est passé crème, quand même, là. Ah putain, il spawn encore là-bas. Oh, je suis trop con. Eh, je suis franchement... J'ai jamais fait un truc aussi con de ma vie, c'est pas possible. Genre, t'arrives... Oh, un pompe. Si je vidais mon chargeur et que je lui fonçais dessus après, bah oui, voyons, c'est la meilleure idée. Allez, on va faire ça. Putain, mais... Qu'est-ce qui me prend, des fois? Complètement débile. Non, non, toi, le C4, tu vas te calmer direct. Je te le dis tout de suite, ton C4, tu te le mets ou je ponce. Ouais, là, j'ai fait un peu de la merde. On va se barrer. Je ne suis point là. Je sais qu'il y en a un là. Oh waouh. Il savait un peu que j'étais là, c'est un peu normal hein, mais. Waouh, je me suis quand même fait une insta-kill. Ça fait un peu mal ça. Eh, hey, ils ont pas encore capturé le point B une seule fois de la game hein, alors qu'ils sont dans une team de 3, ils balancent du C4 tout le temps sur B. Franchement, moi je suis fier de notre team là, franchement, on s'en sort bien. Enfin, je sais pas si je suis fier de notre team ou si c'est juste les mecs en face qui ont pas du tout envie de jouer l'objectif pour une raison obscure et inconnue et mystérieuse. Si je bouge pas, il va pas me voir. Ah, il y en a un là-bas, il y en a deux là-bas. Il m'a vu, je crois. Merde, il m'a vu, putain. Je me dis, si je bouge pas, il me verra peut-être pas. En fait, si. Ah, oh. Ah, les mecs aux pompes, ça m'énerve déjà. J'aime pas les pompes. Personne n'aime les pompes, en fait, je crois. Ça, je pense que le pompe, c'est l'arme la pire parce que c'est horrible comme arme parce que tu peux pas ne pas aimer jouer avec, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Tu peux pas être trop frustré en jouant à ça.
Enfin, c'est un peu difficile, quoi, sachant que tu one-shot à des distances monstrueuses, c'est compliqué. Le problème, c'est quand t'es de l'autre côté, si tu peux pas ne pas être frustré. T'es obligé d'être frustré quand tu joues contre un pompe et c'est trop bien quand tu joues avec. Il faut pas faire des armes comme ça, il faut faire des armes où il y a un petit peu des hauts et des bas, tu vois, parce que sinon ça sert à rien. Sinon tout le monde va jouer aux pompes, quoi. Et du coup là c'est un petit peu dommage parce que le mec, ça me donne envie de jouer aux pompes. Je vais prendre son arme à l'occasion. Je pense que je vais aller ramasser son arme et puis on va aller le tuer avec. J'aime bien faire ça en général, surtout sur les mecs qui jouent aux pompes. Tu prends son arme et puis après t'arrêtes pas de le chain kill avec. Bon après faut réussir à le chain kill mais voilà. Dans l'absolu ça marche bien tu vois. Dans ma tête ça marche bien. C'est un peu ça. Bon. Lui il a la même idée que moi, c'est pas cool. Shut up! Ouais là par contre ouais. Oh putain mais y'en a un derrière et tout là. Hey, les gars là faut se réveiller. Wow. C'est quoi là? Par contre, j'ai l'impression que c'est côté spawn, parce que quand t'es de leur côté, t'y arrives bien. Alors c'est nos teams à arrêter de jouer l'objectif. Si je disais la dernière fois que les teams, mes teams en général jouent l'objectif, genre, tu vois, je veux bien l'objectif à la fin de la game, bah là c'est un peu l'inverse. J'entends les trucs de... Oh, nice. Oh putain, l'enfoiré, va te faire enculer avec ton C4, toi. Oh là 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 là, ça me fait halluciner, ça. Parce que j'ai beau avoir le bouclier anti-explosion, je peux quand même rien faire contre un C4 comme ça quoi. Allez mec. Ah il s'est barré, je crois qu'il était encore en train de camper là. Oh oh oh, boum. Le petit headshot. Oh non, il y avait un là, putain, oh, je suis con, j'ai pas regardé ma map. J'ai pas du tout regardé ma map, ou alors il a spawn là à ce moment là, mais je crois que j'ai pas regardé à mon avis. Je crois qu'il était sur la map, mais je le voyais plus loin que ça en fait le mec, donc... Passer de ce côté là. Ouh. Petit réflexe sympathique là. C'était pas mal. Ah, on s'en sort bien là, c'est bon, on a recapturé. On va rester là parce que de toute façon ça sert à rien d'avancer, ils sont tous de l'autre côté, ils sont trop loin. Voilà. Putain j'aurais pas dû avancer, j'ai dit, mais en fait ça va. Oh putain. J'ai pas le réflexe là. Là j'ai pas du tout eu le réflexe, ils savaient que j'étais là et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait un troisième ou quatrième, je sais plus combien ils étaient. Je m'attendais pas vraiment à ça là, du coup c'était un petit peu chaud. Ok, il est mort. J'ai pas envie d'avancer. Tout seul comme ça, c'est chaud. C'est carrément chaud. On va le faire quand même parce que bon, on est chaud, tu vois. Ok. On va déjà refaire ça. Eh, pas mal hein. Eh. Oh mec, t'es moche. Toi, t'es trop moche. On devrait pas pouvoir faire péter le C4 sans avoir la télécommande dans la main. C'est quand même incroyable, ça. Même si on pouvait mettre la télécommande dans la main, ça serait ultra frustrant. Mais là, si tu peux pas mettre la télécommande... Si t'as pas obligé de mettre la télécommande dans la main, t'es bah ok, je vais péter mon C4 en tirant une arme et en visant en même temps. Non, genre normal, toi, pas de problème. Mais what? Qui c'est qui a dit que c'était possible, ça? Je suis sûr qu'au début, c'était un bug, ça, et qu'ils ont fait une feature ou j'en sais rien, mais c'est pas possible. Ça me paraît assez improbable. Enfin, je sais pas. Oh putain, je pensais qu'il est arrivé à droite et je me suis retourné à droite au moment où il décale à gauche. Normal. Ah ça, je m'en sors bien. Je m'en sors très bien. Je fais des morts un petit peu débiles. Ouais bon écoute, on va se barrer par là, ça sert à rien de toute façon. Allez, allez, on avance. Oh putain, il y a du people là. Oh, ils sont tous là. Oh, nice, nice lightning strike, man. Nice. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, non. J'aurais jamais dû me relever. J'aurais jamais dû me relever. Jamais de la vie. Worst ID ever. Oh, celle-là, elle peut faire mal par contre. Essayer de pas me la prendre, tu vois. Ça, c'est toujours le dilemme avec la bêtise, c'est tu la balances, mais faut pas que tu te prennes ta propre bêtise, parce que c'est pas très bien, ça. Oh putain, j'ai pas vu lui. Eh, t'as plus de balles. Oh non. Je l'avais. Ah putain, 55-18, je l'avais, l'enfoiré, là. Bon, moi, je vais vous laisser sur celle-là. Je pense qu'on a fait des parties franchement sympas aujourd'hui, hein.
Bon, un ratio de 4,78, ce qui est bien, mais ce qui est au-dessus de la moyenne, mais ce qui est pas, tu vois, c'est pas genre j'ai fait 10 de ratio, mais franchement, je me suis bien éclaté. J'ai bien aimé cette petite session. Donc voilà, bah, ça compense un petit peu avec la session précédente. Hein. Bon, allez, sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!